Félicitations encore à toi. Merci. Après tant d'années d'efforts de travail. Merci. Voilà, c'est ça. Non, merci à toi. Je suis là aujourd'hui, c'est pour saluer mon grand frère avec qui j'ai commencé dès le départ. Et voilà, il a été au début, il est à la fin. Donc c'était important pour moi, étant à Abidjan, de passer le voir et aussi de prendre ses bénédictions pour continuer à représenter la Côte d'Ivoire et honorer la jeunesse ivoirienne. Fierté pourquoi ? Pour moi, parce que voilà, j'ai accompli mon rêve, j'ai accompli aussi le rêve de ma famille et surtout de mon pays et de toute une jeunesse. Et donc c'est un réel plaisir pour moi. Et voilà, quand je vois ce que je fais hein, impacter positivement la jeunesse, je ne peux qu'être content. Et ça me donne encore la force de peut-être continuer à honorer mon pays, honorer cette jeunesse-là. J'ai eu la chance d'avoir un père qui aimait ce sport-là et donc il m'a inculqué ces valeurs-là. Et voilà, au fur et à mesure, ce sport-là est devenu professionnel. Mais professionnel parce que j'ai eu aussi des gens comme mon grand frère que je suis venu voir aujourd'hui qui nous ont permis de pouvoir nous entraîner dans de bonnes conditions. Et voilà, je pense que c'est tous ces soutiens-là qui nous ont permis peut-être d'arriver à ce niveau-là. On demande à tout le pays de continuer à nous supporter parce que aujourd'hui, je combats, j'ai tout gagné au taekwondo, mais ma force, c'est tous ces jeunes-là qui ont des rêves et qui veulent réaliser leurs rêves. Et c'est important pour moi de faire de bons résultats afin de donner. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'athlète, j'ai rêvé, moi, grâce à certaines personnes, Samuel Eto'o, Didier Drogba, même mon grand frère aussi était très, très grand exemple pour moi. Donc, c'est ces personnes-là qui nous ont fait rêver. Donc, voilà, nous aussi, à notre tour, il est important qu'on puisse faire de bons résultats ou de bonnes choses dans nos disciplines afin de donner aussi un rêve à ces jeunes-là. En tant qu'athlète, je suis qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui vont se dérouler dans 6 mois. Et aussi, j'ai ma fondation, la fondation Cheikh Cissé, qui œuvre dans le développement des sports mineurs. On va un peu dans l'exemple de notre grand frère quand on était jeunes. Ils nous ont aidés, c'est à nous aussi d'aider ces jeunes-là. Et voilà, on essaie tant bien que mal d'essayer de venir en aide. Et aussi, ma candidature a été acceptée pour concourir à l'élection de la commission des athlètes du CIO, Comité international olympique. Donc, c'est important aussi en tant qu'athlète. De pouvoir se former. C'est pas mon champion, c'est notre champion à tous. Donc voilà, et je pense que j'ai porté, et lui aussi l'a porté, dans son cœur, cette foi et cette détermination, on n'avait rien à part essayons simplement. Et puis on a essayé. Et ils avaient mis tellement de joie et de bonheur à participer à tous ces tournois, tous ces déplacements, et ils ont aimé apprendre et ils ont été récompensés. Et je sais que c'est très bien lorsqu'il a eu sa médaille d'or, le coup de pied miraculeux, qui a ramené à la victoire, et c'est lui-même quand il analyse le combat, c'est Dieu. C'est un modèle sportif, et dans la vie, au quotidien, on n'aura pas de scandale sur lui, pas pour le moment en tout cas. Mais il n'y en aura pas. Il est secret, et puis je pense que ça va aller. Il n'y a pas de problème, puis d'ailleurs, c'est un exemple formidable de travail. Il faut regarder que le travail. Le travail, c'est un travailleur, voilà.